Si vous voulez des coins sur NHL18, visitez le site aoie.com et utilisez le code ROCK pour 3% de rabais, un site fiable et un service rapide. Sur ce, chouette, bonne vidéo. Bonjour tout le monde, ici The ROCK. Aujourd'hui, on se retrouve pour... Le début de la saison 2019-2020 avec les Pingouins de Pittsburgh qui sont jusqu'à présent on va se le dire assez décevants. Mais on a une bonne équipe. On a une excellente équipe pour s'en aller dans cette nouvelle saison. On a fait une grosse trade, on a changé beaucoup l'équipe. pierre luc Dubois et Alexander Wenberg sont arrivés avec l'équipe. Et on a Evgeny Malkin qui est malheureusement parti, mais on s'est amélioré à deux positions. Et je trouve que Dubois et Alexander Wenberg peuvent, peuvent devenir des Evgeny Malkin. Mm. À Pittsburgh Bon Point d'interrogation C'est Phil Kessel 31 ans Très bon joueur Très bon contrat 6.8 3 ans Pour un 89 overall Mais il n'a pas sa place Dans le top 6 Il n'a vraiment pas sa place Dans le top 6 Jouant avec Jake Et Konechny on aura un problème du côté de la défensive, à date on a Brandon Carlo qui est un très bon défenseur, défenseur top 6 Donc pourrait jouer à la place de Nutivara pour l'instant Et Nutivara pourrait, on pourrait le descendre dans les minors Et aller chercher un défenseur qui va compléter ce top 6 euh, En échangeant Phil Kessel, en allant chercher un défenseur, moi je pense qu'il y a moyen d'aller Il y a moyen d'aller chercher quelque chose d'intéressant, bon vous avez été nombreux à commenter, va chercher Oliver McMillarson, va chercher euh, Charlie McAvoy. Et pour euh, McAvoy, je ne l'ai pas trouvé, il n'y pas que les Bruins, mais pour Oliver McMillarson. Vous allez voir que ça ferait du sens. Un contre un pour Oliver McLarsen. Les. Les Coyotes veulent le donner. Malheureusement, est-ce que je suis prêt à aller le chercher? Non, pas vraiment. Parce que je veux un gars de 3ème trio. Et là, c'est là que ça viendrait un peu un peu tout gâcher parce que. Faudrait que je rajoute, admettons que je veux un gars 3 trio du genre. Et en ont même pas, donc euh, voilà. Et j'ai fait un peu euh, la tournée, voir quelle équipe voulait Phil Kessel Et j'ai une équipe qui serait intéressée au service de Phil Castle, c'est les Flyers. Regardez leur défensive aux Flyers Shane, Goddesberg, Provarov, McDonald's, Sanaheim, Moray, Hack, Goodass. Donc, ils ont beaucoup de défenseurs. Ils veulent Phil Castle, veulent améliorer leur offensive. Et j'ai mes yeux sur Even Provorov, défenseur polyvalent gaucher, élite 22 ans. A encore 4 ans pour augmenter d'overall, très très bon partout. Donc euh, juste comme ça, ça, ça passerait. Et j'aimerais ça avoir un gars pour venir compléter le troisième trio que Phil Kessel va laisser. Et on va, aller, on va essayer d'aller chercher Oscar Lindbaum. Attaque à top six comme potentiel, 23 ans, gaucher franc-tireur Donc on va jouer avec Jay Gonzalez et G Connect -Nee. ça va aller très très bien. Et à la limite, j'aimerais peut-être aller chercher un autre gars pour peut-être pivoter le quatrième. Pas pivoter, mais aller sur le quatrième trio, question de, de l'améliorer un peu. Si on est capable d'aller chercher Phil Pula et Scott Larton pour le quatrième trio, ça serait excellent. Donc Phil Castle contre Provorov, Lembaum, Lawton et Phil Pula est-ce que tout ça ça passe? C'est refusé, faudrait rajouter et ça je m'en attendais. Marché des gardiens, est-ce qu'on a des gardiens? Non, marché des patineurs. Quel genre de patineurs veulent-ils? Kunako, je suis prêt à donner Kunako. pas Pas non pas pas en tout. Aston Riaz, non pas pas toutes. Litivara, je suis prêt à le donner aussi. Donc deux joueurs comme ça, est-ce que ça, ça fait passer? Refusé, c'est trop faible. On va continuer d'essayer de chercher. Euh, choix au repêchage. Pas beaucoup de choix repêchage, tous les patineurs. Est-ce qu'on a des gars qui ont pas de contrat qui ont quand même du potentiel? On a un élite, un Div top 4, je suis pas vraiment sûr d'aller charger Popovich non plus. Est-ce qu'on a des Div top 6, attaquant top 9? Attaque à top 9, 9 Nord Div top 6, attaquant top 9. Ronberg, je pense que Nordren pourrait partir. Est-ce que ça, ça passerait? Refusé. Et si on rajoute un autre défenseur top 6 dans le mix. Ou un autre attaque à top 9. Est-ce que ça, ça l'aide C'est refusé, on n'a pas l'air d'être prêt à l'entendre Donc peut-être que Lawton et Phil Poula, ça passe pas Juste Provera et Bomb. C'est accepté Et voilà, meilleur effectif On a un bon deal Mais j'aimerais quand même ça aller chercher un gars Pour le quatrième trio Pour remplacer euh, les joueurs qui sont là présentement parce que notre quatrième trio est weak un peu. On a 1, 2, non, on va aller dans attaquant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a uh, Paul Cannon et Delaros. Delarose, Delarose c'est pas si pire comme elle est gauche, ça fait la job. C'est pas si pire, mais Paul Cannon, j'aimerais ça le remplacer pour peut-être. Là, on peut essayer d'aller chercher là, euh, euh, Valtteri Filpula et Scott Lawton. Ces deux-là contre Paul Cannon. On va donner aussi. Qui entre Austin Reyes. Non, je pense qu'on va donner de la rose ou on va donner un chaud repêchage. Un 3 et un 4. Donc un 3 et un 4 pour Phil Pullen et Lawton. Est-ce que ça passe C'est refusé, ceci étant dit. On est quand même près d'une entente. Marché des patineurs. De La Rose, Austin Rez, on peut donner De La Rose honnêtement, je suis pas sûr qu'il va monter ben ben De La Rose Mais si on note le quatrième, non non, on va donner De La Rose, Phil Ploua, Lawton, refusé toujours, bon ben manger de la merde Hum Paul Cannon et un Choix de 4 pour juste Scott Lawton, ça devrait passer, juste pour le Cannon pour Scott Lawton Est-ce que ça passe, c'est refusé, on est prêt d'une entente sont difficiles les Flyers un, juste un 7 c'est refusé. Un 7 et un 6. Et les boys. C'est refusé. largement insuffisante au vu de sa valeur. Bon, on va chercher un autre joueur de 4 trio. Je vais chercher, je vous reviens. Lorsque je vais avoir trouvé. On va essayer d'aller chercher Joe Colburn. La valeur je vais le donner. Il va remplacer Paul Cannon sur le troisième. Plus un choix. Non, peut-être pas un choix de 3. Un choix de quatrième tour pour Colburn. C'est refusé. 4 et 7. Est-ce que ça passe? Là les boys là euh, pour un joueur que vous voulez donner non ça ne passe pas non plus on va continuer de chercher. On va essayer à Rose un 7 contre Nick Cousins. Est-ce que ça, ça passe? C'est toujours refusé. Les, les gars ne veulent rien savoir. Un 6 peut-être pour. Nick Cousins, c'est refusé. Bon, laissez faire. Il n'y a pas une équipe qui veut euh, aller. Euh, laisser, laisser aller, oui, leur joueur. Donc, on va simplement aller dans la composition. va pas voir les lignes. Back ça On va aller dans la composition. Gardien de but. Et voilà. Dans, dans le gardien de but, tout est carré. Défensivement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout ça, c'est parfait. On a une crime de bonne défensive. Et à l'attaque, notre quatrième trio est un peu décevant. Mais. faut bien avoir une faiblesse. Quelque part. On peut pas être parfait partout. Donc modifier les lignes. Là, il va avoir Provorov et le temps. Comme première part de Diges. Ça va être incroyable. Et on veut. Non, c'est sûr qu'on veut Oscar Limbaum avec. Avec ces deux-là. À droite et à gauche. Donc, à gauche comme ça, pour le cannon. Ça prend un sentier ça, ça qui arrive. De facilement Provovre le temps, ça c'est parfait. Ça, c'est excellent. À l'attaque aussi, il me semble que c'était correct à l'attaque. Galchannek, Crosby, Sprung. On met Daniel Sprung sur le premier avec Crosby, Galchaniuk, Aho avec Dubois et Alexander Weinberg. Mais je veux mettre Wenberg à droite avec Crosby et Aho avec Dubois et Sprung Connect. Avec Jake Genzel et... Lind, Lindblom, ça va être difficile à dire. Unité spéciale, Wenberg, Crosby, Sprung, Arrow, Dubois, Gal, ça c'est parfait. Euh, unité Inférité numérique, Connectny, De La Rose, Austin Reyes, Dubois. Non, peut-être pas Austin Reyes. J'aimerais savoir peut-être un meilleur joueur que ça. Wenberg, est-ce que Wenberg a des bonnes stats défensives? Oh, oui. Wenberg et euh, pas De La Rose, s'il vous plaît. On va mettre Connectny et. Daniel Sprung, non Daniel Sprung n'a vraiment pas des bonnes stats défensives Jake Gensel, Jake Gensel pourrait être un bon joueur à piquer Donc voilà pour les lignes de la NHL NHL maintenant, meilleure ligne Est-ce qu'on a un centre qui pourrait venir dépanner Non pas en tout, on a vraiment pas euh, la grosse équipe Mais c'est sûr qu'on aimerait ça avoir nos jeunes par exemple qui jouent McLeod C'est sûr que tu joues au moins sur le deuxième ça c'est beau, ça c'est beau, Burton, Woodoo, Misselic, est-ce que Burton tu peux sortir pour peut-être un joueur qui a du potentiel, pour, pour lui, ouais et voilà Weedoo, même chose pour un joueur qui a du potentiel, pas Burton allié gauche Higginburger, Hagen, oh oui, Higginburger, Hagen, un allié gauche à la place de McRat, here we go, Rizzi, une spéciale, non tout ça c'est beau défensivement Noah Johnson, Corrado, wrestling. Est-ce qu'il y a un défenseur qui a pas de potentiel? Oui, est-ce qu'il y en a un? Non. Donc, ça va être ça pour le Club High Chill. Et je pense qu'on est peut-être prêt à partir, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça avoir au moins un sens sur le quatrième. C'est ça qui me gosse. On va aller voir jean Je me souviens plus trop trop qui, qui avait. UFA. Le meilleur centre, c'est euh, Payette, mais si je vais dans tout. Charles Ludon pour le Canadien. C'est un centre pour jouer sur notre quatrième. On va aller voir. On va aller voir le Canadien de Montréal. Et je vais faire en sorte d'aller chercher Charles Ludon pour notre quatrième trio. Vu qu'on a déjà une très bonne défensive, je vais donner Charles Ludon contre Paul Cannon et Abshed. 56 overall, Dave top 4, 19 ans, Ça va y prendre longtemps. En plus, c'est un défenseur peu, donc pas la meilleure discipline. Contre Charles. Ludon. On va pouvoir Ils veulent pas ce trade-là, mais what the fuck, Montréal? On est vraiment au-dessus de ce que vous demandez, et vous voulez même pas... Vous voulez même pas le trade, un 4 et un 3 là, on est vraiment au-dessus... Non, ils ne veulent pas rien savoir What the hell Ok, laissez faire, laissez faire... On va se réessayer avec les Rangers, De La Rose contre Nick Cousin, Jasper Fast contre... Avshur. donc let's go, là, il faut que ça passe quelque chose C'est refusé, mon lit. Je, je ne comprends pas qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les échanges... J'ai l'impression que je donne... Vraiment plus que ce que je suis censé donner pour des joueurs de quatrième trio. Et voilà, enfin. Enfin, ça passe. Aïe, 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 c'est compliqué d'aller chercher euh, des joueurs de quatrième trio là, dans la NHL. Là, on a un joueur de trop. Probablement que c'est un défenseur. Non, c'est un attaquant. On va pouvoir descendre Paul Cannon. Et on va pouvoir aller enfin. Modifier notre quatrième ligne qui en arrachait pas mal. Et là, on dans un vrai centre comme quatrième ligne. Donc, ça comme ça, ça comme ça. Wenberg, là. Nick Cousin avec Austin Reyes et Jasper Fast. Ça, ça a bien de l'allure comme ça. Here we go. Défensivement, Provorov, c'est parfait. Unité spéciale. Wenberg à haut, Dubois, parfait. Infiltré numérique. Connecting avec Austin Reyes. Non, 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 non. On avait dit centre. On avait dit Wenberg. Et du bois avec Hao, j'ai pas de trouble avec ça. Tout est parfait de ce côté-là. À l'attaque. Euh, à l'attaque. À l'attaque, oui, et en défensive. Je trouve qu'on s'est vraiment amélioré. On va aller faire. Euh, on va aller retirer ce joueur. Non, on va faire une meilleure ligne encore. Parce que là. Et voilà. Donc McLeod à la place de lui et de lui. Willow, on va le remplacer par. Elle est gauche. Par Egan Burger. Genberger par lui et par lui, voilà, va jouer avec, c'est parfait, et Walid, je ne prononcerai pas son nom, va jouer ici, défense Iman Yoson. tout est beau de ce côté-là, et voilà, on est prête à partir, enfin la simulation, ça fait un bon 10 minutes que je gosse pour faire des échanges, là tout est beau, et on peut commencer la simulation, c'est parti, on va simuler le premier match à l'extérieur, le premier match de la saison des Pingouins, une saison avec beaucoup d'attente. Première période, 1-0 WrestleMania. Deuxième période, 2-0 Benoît Pouliot. Et troisième période, Icault et Kyle Ocposso. Donc les Pingouins qui sont censés être un powerhouse à ils vont se faire blanchir leur premier match. Il va falloir bounce back. Donc après deux mois les 16-7-1 pour les Penguins très très bonne fiche très respectable on est premier dans notre division avec un point d'avance sur les Capitals de Washington Crosby 26 points en 24 matchs ça semble fonctionner ce premier trio là on va aller voir les stats un petit peu plus en profondeur donc attaquant Crosby 26 en 24, 10 buts, 16 passes Wenberg 3, 20 pour 23 points en 24 matchs Et Young 21 points en 24 matchs Donc ce premier trio là est excellent Lindblom eh, va très bien, 12 points en 24 Sebastian Haho 12, Sprung 11, Dubois 11 Donc le deuxième trio, c'est un peu plus compliqué Jake Genzel 10, Connectney 9, Reyes, Fast et Nick Cousins Ça va aussi très bien Défensivement Chris Latang, 18 en 24. Provorov 7 en 24. Donc, plus 9, plus 9, ça va bien. Gardiner et Yann Marsun, ça va un peu moins bien. Pour ces deux-là ensemble. Et Brendan Carlo et Willie Poca, ça va très bien. Donc, le deuxième pas de défensive et la deuxième ligne d'attaque, ça va moyen. Tristan Jerry aussi, 1-3. Mais du côté de Matt Murray, rien à dire là-dessus. Donc, on continue la simulation. Ça va bien, on a une bonne fiche. On change pas une formule gagnante. On s'en va. On va simuler jusqu'au jusqu'au premier face au star. Bon, on a eu un mois de janvier un peu plus difficile. On est 29-18-3. Est-ce que c'est euh, si grave que ça Non, c'est une bonne fiche. On est encore premier avec un point d'avance cette fois-ci sur la Caroline. Et j'ai absolument rien à dire. Et Crosby est encore premier pointeur avec encore un point de plus. Par match joué, donc 51 points en 50 matchs. Galtier, 44 en 50. Wenberg, un peu ralenti, 36 en 50, mais il feed Crosby, c'est incroyable. Dubois, 31 points. AO, 29. Et Daniel Sprung 24, mais c'est moins 11, moins 12 et moins 4. Donc ça va pas très bien cette ligne-là. Lil Blom, Jake Enzol, Travis Connectney, Jesper Fast Cousins et Aston Reyes. Ça va un petit peu moins bien. Pour eux aussi, si on va du côté de la défensive, est-ce que nos défenseurs se sont replacés Non. Chris Letang et euh, Provarov, ça va toujours très bien. Gardener, Yann Marson, Buff, Vili et Carlo aussi. Donc, j'ai peut-être quelques modifications à apporter au aux lignes. Je vais faire ça juste avant la date limite des transactions. Il nous reste un mois à faire avant d'arriver à, euh, à, 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 à cette, oui, date limite. Donc, modifier les lignes. On va... Euh Leblanc, ça marche plutôt correct. 8 buts 13 passes. Ce que j'ai envie de faire c'est Daniel Sprung, ça va... ça va pas si mal. Sébastien Aho. Euh, ça c'est du bois, mais moi je vais voir Aho. Parce que j'aurais envie de peut-être faire Sprung. Je vais peut-être essayer Sprung sur le troisième, connect -Ni sur le deuxième avec Dubois et Aho. Uh, Limblom avec Jake Genzel et Dalian Sprung. Fast avec Cousins et Austin Reyes. On change juste la 2 et la 3. Fastivement, on va essayer Brendan Carlo avec, avec Jake Gardiner et Yann Marson sur la dernière paire avec Vili Poka. On va essayer ça comme ça. Donc voilà pour les changements de ligne. On va uh, simuler le reste, le reste de, du mois de février jusqu'à la date limite des transactions. Et après ça, on verra s'il y a des joueurs sur le marché ou s'il y a uh, des échanges à faire. Ou des changements de trio effectués. On part euh, la simulation avec deux victoires. Trois victoires de suite. Et Hugo, la simulation va très très vite. Et on est à quatre victoires depuis les changements de trio. Bon, on est redescendu sur Terre avec une défaite. Faut rebondir avec une victoire. Bang Un autre 4-0. Deux jeux blancs. Un autre victoire. Donc on a une défaite. Une défaite seulement à date dans le mois de euh, février depuis les changements de trio. Est-ce que c'est une coïncidence Probablement que oui. Mais ça fait plaisir à voir, ça c'est sûr et certain. Contre Washington, défaite la prolongation, tu es allé chercher un point. On est 36-19-4. 36-19-5. Donc 3 dé défaites de suite, mais 2 points sur 6. Sur Une victoire contre les Canadiens. Est-ce qu'on finit la simulation en beauté contre les Coyotes Et je vous répondrai que... Non, défaite de 2 à 1, on est 37-21-5. On n'est pas assuré d'une place en playoff, mais on est très bien placé avec. La première position est de loin sur les Blue Jackets de Columbus et Evgeny Malkin. Crosby un peu ralenti, 57 en 61. Moi, je vais juste aller voir les plus et moins de nos joueurs. Donc, à l'attaque, Crosby 57, Galtinok, Dubois 43. Donc, ne veux pas avec les points, Dubois ça va bien. Wenberg 9 à O-Sprung, Limblom, Connectny. Est-ce que vraiment ça va mieux On va l'essayer, on a eu un bon mois de, de février on va, le, on va laisser ça de même Défensivement, défensivement moins 13, moins 7 Yann marson a de la misère Ça semble ralentir un peu tout le monde Carlo plus 7 Et Jake Gardiner plus 3 Donc la combinaison, Brennan Carlo et Jake Gardiner Ça semble fonctionner à plein régime Dernière chose avant qu'on se laisse pour Avant qu'on se laisse pour cet épisode Gestion d'équipe, parcourir le marché des joueurs on va ouais, voir quelle équipe sont prêtes à donner quoi, ah, je serais pas contre un défenseur à la place de Yann Marson. ça va pas très bien, les Coyotes n'ont ont, ont pas Oliver Middlerson, les Boston ont Derek Brassard sur un, ah non, beaucoup trop cher, Buffalo, non, Calgary, non plus, Caroline, non, Chicago. L'avalanche ont rien, Columbus les Red Wings, euh, les Red Wings ont rien, les Oilers, les Panthers ont Keith Yendall, Los Angeles ont Alec Martinez et Jake Mazin, Jake Mazin à la place de à la place de Marson, ça ferait vraiment pas de mal. Je serais intéressé. Le Wild du Minnesota ont Ryan Suter, Ryan Suter, élite 35 ans, mais la seule affaire c'est son gros contrat qui fait mal, donc je pense pas que je suis prêt à accueillir ça. Charlevoix du côté du Canadien est disponible. New York Islanders, les Rangers de New York, les Devils, les Sénateurs, on dit on faneuf, les Flyers, les Sharks, les Blues, Tampa Bay. Est-ce qu'on a d'autres choses Non, Vegas ont rien, Washington ont rien et les Jets ont rien. Donc, c'est vraiment je pense que ça va vraiment jouer avec les Kings de Los Angeles. Soit qu'on fait un échange et qu'on garde Yann Marsun et qu'on va chercher exemple, un trade du genre. Villipoca et euh, peut-être Rassinen Et un choix de... Pas un choix de premier, mais un choix de deux en 2022 Contre Jake Mazin, ça pourrait quasiment passer Ou on y va carrément avec... On garde Villipoca et on y va avec un contre un Vu que Yann ça marche pas pas tout Yann Marsun contre Jake Mazin Et on peut même se rajouter quelque chose si jamais on est intéressé à aller chercher autre chose Genre... Parce qu'à l'attaque, ils ont des joueurs qui veulent donner. Oh my god, ils ont Qu'est-ce que je pourrais donner pour aller chercher Tofu Ely Sébastien Aho, Travis Connecty, Daniel Sprung. Je serais pas contre donner un joueur comme Travis Connecty, mais encore là, ça passerait pas. Donc, ça serait plus Ian Marson contre Jake Mazin. Et un attaquant qui peut jouer dans la NHL, Adam Campy pourrait jouer sur notre quatrième trio ça ressemblerait pas mal à ça le trade donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires donc on se retrouve pour une prochaine vidéo aimez, partagez, commentez abonnez vous si ce n'est pas déjà fait pour plus de choses je vous souhaite une bonne construction à la prochaine ciao bye